I remember I said to the studio, if I make the film, I need to make a storyboard. And they told me, no, we don't have the time. We have to start the next week, too late. I said, okay, no problem. Bye-bye. And really, I did that. Okay, nice to meet you. I go back to Paris. Ciao. And they were stunned. Nobody did that. Never did that before, you know. And okay, let's give us the time to think. And 2 days after, they said, okay, you have the storyboard. Ridley Scott, Cameron et Fincher, ça fait un peu flipper, évidemment. Alors, je me souviens qu'une des premières nuits, avec le décalage horaire, je dormais pas. Et je me suis dit, je suis jamais capable de faire un truc comme ça. Alors, je réfléchissais, je me dis, bon, voilà, premier plan, il faut que tu trouves une idée. Et puis, tu vas leur proposer, et si ça leur plaît, ben bon, on va voir. Et je trouve une idée, le lendemain, je leur raconte. Et je les vois assez contents, mais bon, sans plus. Et le surlendemain, je retourne au studio, et tout le studio, partout, ils étaient tous au courant de l'idée, ils étaient tous, super, génial l'idée et tout. Donc j'ai compris qu'en fait, c'est ça qu'ils cherchaient. Alors, à partir de ce moment-là, j'ai amené tous les jours des idées, et j'ai cru comprendre qu'ils n'ont pas tellement l'habitude de... à taper avec son marteau, et dans la cloche. Tape avec son marteau sur la cloche, je dirais. Okay. En bas, réaction, j'ai quelques références. La réaction d'une mémé qui a fait ses filets, qui a entonné, un papier avec son cheval, bing, un autre papier sur un pêcheur, bon. Alors, elle, c'est un jeu entre eux, elle panique en se bouchant les oreilles, tu vois, et lui, il empêche la cloche de vibroter. De continuer, ouais. Là, contre-champ, elle repart, c'est impossible à dessiner. Elle repart, bing, elle retape. D'accord. Gros plan, bing, au moment où elle arrive. Au moment où elle arrive, tac. Voilà. Et puis, plan large du clocher en contre-plongée, et là, les coups décroissent. Ils ont traversé le No Man's Land, la deuxième ligne allemande, qui s'en fait cueillir par les mitrailleuses. C'est presque du mécénat, c'est presque un court-métrage financé par Chanel. On vous laisse écrire l'histoire, on vous laisse une totale liberté, on vous fait totalement confiance. Ce genre de choses, je rêvais de le reconstituer. Et bizarrement, ça concordait avec le brief un peu que Chanel m'avait envoyé. Ils avaient envie de noir, d'images un peu sombres, ils avaient envie d'effets de lumière, ils avaient envie d'émotion. Enfin, il y avait tout concordait. Et essayer de raconter tout ça dans un temps très court. Elle sort du train, elle regarde sur le quai de gare. Normalement, dans un long métrage, on met 10 secondes pour accomplir ça. Là, à l'arrivée, c'est monté, c'est une seconde et demie. Et il faut qu'on comprenne en plus l'évolution du regard. C'est-à-dire, je cherche, je suis déçu, et tout ça en une seconde et demie. Des figures imposées, tout de même, malgré la liberté absolue. Non, et bizarrement, c'est moi-même qui, comme j'ai un petit peu l'habitude de la publicité, j'étais assez malin, je dirais, pour inclure, je veux pas dire le mot produit parce que ça me plaît pas, et justement, ça fait publicité, mais justement, le flacon, je l'ai inclus dans l'histoire, j'ai eu cette idée puisque c'était un train de nuit. Et ben voilà, on voyait les reflets du flacon. Chez moi, dans ma chambre, mon épouse met ses flacons de parfum sur un petit meuble et parfois les effets de lumière provoquent ce genre de diffraction et de choses assez jolies, donc je l'avais remarqué.
J'ai eu l'idée de l'intégrer dedans. Et à la fin, également, de finir sur une mosaïque qui se transformait en les deux C de Chanel. Alors évidemment, ce genre d'idée a immédiatement séduit, bien sûr.